Et bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui sur Xbox One X avec le nouveau Crash Bandicoot It's About Time. Et on va se lancer tout de suite. Ah, ça y est, de la musique. Oui, on va accepter, j'aurais dû faire ça avant. 21 pages, vous imaginez. 54 pages. Donc il sort au moment où je fais cette vidéo, il sort aujourd'hui, le 2 octobre. Non, t'en fous. Oui, je veux passer la configuration de mon compte. Ah, on peut faire plusieurs parties, donc ça c'est pas mal. On va se dépêcher de faire ça. On va faire ça. Hop. Alors, quand tu meurs, tu peux toujours reprendre depuis le dernier point de contrôle. Et tu as un nombre limité de vie. Quand tu n'en as plus, tu dois recommencer le niveau. Ok, donc là, c'est comme avant. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez utilisé toutes vos vies, vous reprenez au début du niveau. Et là, en fait, vous reprenez toujours au checkpoint. Alors, pour la vidéo, on va faire ça. Bataille de Bandicoot, qu'est-ce que c'est? C'est un autre mode. On ira peut-être voir après. On va regarder les options. Ok, il y a une option daltonien. On ne regarde pas beaucoup ce genre de choses. Mais c'est plutôt pas mal, taille du texte, machin. On va laisser. On va laisser les sous-titres. Hop. Alors, on va voir s'il y a le running gag habituel de cette chaîne. C'est... Est-ce que dans les 2 minutes qui viennent, j'ai un chat qui va gratter à cette foutue fenêtre? À une des 3 fenêtres que j'ai autour de moi. C'est parce que ça, c'est le running gag de la chaîne. Crash Bandicoot. Enfin, moi, le grand Néocortex, j'étais exactement où je devais. Et maintenant, le coup fatal. Tais-toi, imbécile. Oublie ça, Entropie. Ça va rater. Encore. Au moins, Uka Uka et moi, on essaie de nous libérer de cette prison. Je ne resterai pas assis là à ne rien faire qu'entendre tes inepties pour une décennie de plus. Et ta façon de mâchouiller. Est-ce qu'il est mort? Laisse-le, il ne sert plus à rien. Bon. Un grand pouvoir s'est réveillé. Crash. Je crains qu'il n'annonce une catastrophe aux proportions cataclysmiques. Je sens que ça vient du pic Insanity. Vite, il faut y aller. Crash. 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 Bon, ce qui est bien, c'est que vous voyez, maintenant on a une cible au sol. Attendez, je vais enlever l'oreillette. On a une cible au sol, du coup on voit où on va tomber, où on va atterrir. Donc ça c'est plutôt bien. On a toujours le tacle glissé et puis on peut... Bon, après les gâchettes en fait servent à... Ah regardez, il y a Spyro là. Et j'ai l'impression... Ah, en fait, il y a plein de petites animations, regardez, plein de petits trucs marrants. Et ça a l'air plus souple en termes de gameplay par rapport... On verra quand on aura des sauts et tout vraiment à faire, mais... Ça a l'air plus souple.
Parce qu'on a le double saut. Oui, on a le double saut. On peut bouger un petit peu la caméra aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on pouvait pas faire dans les précédents. Donc, même y compris dans les remakes. Ah, ça, c'est pas mal aussi. Faire ricocher un ennemi sur un autre. Je suis pas sûr qu'on pouvait le faire non plus dans les précédents, ça me dit rien. Oh putain, j'ai sauté, merde. Pardon. Bon, après... faut quand même prendre un petit peu en main. Ça fait longtemps que j'ai pas joué un jeu de ce type. On va essayer de pas crever 150 fois dans le premier niveau, quand même. C'est pas mal de pouvoir faire ricocher... Il revient, le salaud. Ah, je peux pas lui faire la tornade. C'est très bizarre, parce que j'ai appuyé, les deux fois j'ai appuyé sur le bouton. La première fois j'ai sauté, la deuxième j'ai fait la tornade. Et ça n'a pas marché. Ah, et là vous voyez, j'ai sauté avant, je l'ai pas touché en retombant dessus, je l'ai touché en sautant en fait en l'air. Et là ça a marché. C'est assez bizarre. Donc ce qu'il faut voir, c'est est-ce que le gameplay est un petit peu plus souple que les précédents. Et est-ce que les hitbox sont mieux? Parce que les hitbox dans Crash, c'était pas forcément... Vite, il faut y aller. C'est pas forcément toujours très bien. Donc, à voir. Bon, je vais y arriver. Bon, on est mort deux fois bêtement. Faut passer rapidement. Juste le décor là. Ok. Je me suis fait peur tout seul. C'est bon. Ouais, c'est quand même moins rigide que ça ne l'était à l'époque. Ça fait un moment qu'on a compris hein, le double saut. Hein, c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? On va essayer de choper toutes les caisses. Ah merde, bon bah j'en ai loupé une. Dommage. Parce que ça fait aussi partie du jeu. Ah merde, il lance des trucs. Ça fait aussi partie du jeu d'essayer de péter toutes les caisses, mais c'était pas mal comme petit passage. Fait toucher bêtement. Je sens que cette plateforme elle va pas rester. Ah là, je m'en doutais. Ah, il y a pas mal de checkpoints quand même, mais les niveaux sont assez longs. Hein. Ah, il y a le niveau bonus ici. Les niveaux sont assez longs.
En fait, j'ai pas regardé vraiment cette vidéo, j'ai regardé le trailer de lancement. Et c'est tout en fait. J'ai regardé le trailer de lancement et j'ai regardé une vidéo de gameplay, mais genre sans commentaire, c'est juste une vidéo de gameplay sur un niveau. Et c'est là que je me suis rendu compte effectivement que les niveaux avaient l'air beaucoup plus longs qu'avant. Mais sinon, non, j'ai pas regardé. Je me suis gardé la surprise au max. Il y a beaucoup de jeux pour lesquels je regarde pas beaucoup de vidéos en fait. Oh putain. C'était risqué ce que j'ai fait là. Je vais réessayer un autre réglage aujourd'hui pour le micro en fait avec l'application Dolby On. Je vais remettre la réduction de bruit. Parce que ça avait l'air d'avoir quand même réduit les bruits de manette sur la vidéo de Mafia. Donc je vais remettre ce paramètre là. Oh putain. J'ai raté mon premier saut, je vais pas vous mentir qu'après. Je me suis dit que c'était mort. Bon bah il me manque 4 caisses. 3 caisses. C'est dommage. On est mort deux fois comme un con. Ok, ah c'est pour des skins. Donc en fait on va pouvoir en gros personnaliser la tronche de Crash quoi. Ok. Bon après, pour celui qui veut vraiment faire du 100%, c'est bien, mais on va pas se mentir que c'est pas. Si ça permet de déverrouiller que des skins. Bon. C'est pas la chose la plus importante. Du coup, on enchaîne direct. Il n'y a pas un hub central comme à l'ancienne. Ils appellent ça des Woompas. Bon, sinon, après, clairement, c'est du Crash Bandicoot, hein. Vite. Ah, on peut remonter le long de la corde, ok. Ah, je pense qu'on va finir par avoir un petit sort de hub central à un moment donné. Ok, bon. J'ai pas pris assez d'élan. C'est marrant. Il y a un gros fruit là-haut. Voilà. Oh là là. Bon, les niveaux sont assez longs, mais il y a pas mal de checkpoints. Ça c'est plutôt bien. Visuellement c'est assez sympa, regardez, il y a des choses dans le fond et tout. Je trouve ça assez sympa.
Salopard! Je me suis fait avoir là. Mais non, mais vite, vite, vite! Oh là là! Et c'est tendu le timing là! Ou alors il y a un truc que j'ai pas compris. Ou je suis vraiment trop vieux et trop lent. Merde. Je sais pas trop comment je vais aller là-haut. Ah, je peux pas. Bon. Bah tant pis. Faites trop. Presque sauter avant qu'elle apparaisse. Je me suis contracté sur la manette là, je pense que ça s'est senti, ça s'est entendu. En fait, faut commencer à sauter quand elle est encore quand elle est encore bleue la plateforme. Oh là là. Non mais ça va beaucoup trop vite pour moi. Hein. Là. Ça va beaucoup trop vite pour moi, les gars. C'est pas possible. Oh, le salaud. Là, c'est moi qui suis allé un tout petit peu trop vite. Mais je pense qu'on va... Et ouais, et le temps que j'arrive de mon saut, le temps que je tombe dessus... C'était mort, déjà. Hop là, on va faire ça. Oh, le truc, il est en train de dormir, il l'attrape comme ça. L'agneau. Oh, c'est encore un niveau où on va être poursuivi. Il y avait beaucoup ça dans les... Une gêne. J'aurais dû prendre 2 secondes pour souffler. Là, j'ai sauté complètement à l'aveugle. Et là, faut enchaîner à chaque fois le saut, le truc. Mais la caméra est plus loin que dans les précédents. Et du coup, on voit mieux. Je trouve. On voit mieux que dans les précédents. Impossible ! C'est totalement impossible ! Enlevez-moi ça ! Enlevez-moi ça ! Crash ? Qui est-ce ? La Niloli ? Si les masques du Quantum sont revenus, alors...
Yaku, comment ça va? C'est une faille temporelle? On dirait que c'est une porte entre deux dimensions. Oui, oui! Le genre qu'on garde fermé! Il faut qu'on traverse, qu'on trouve mon jumeau et qu'on règle ce problème avant qu'Afana, avec un gros plan maléfique et un ego encore plus gros, ne fasse un truc monumentalement stupide! Ça sera trop tard. Oka Oka a, sans le vouloir, ouvert la voie vers notre glorieux futur. Lorsque mon générateur de failles sera terminé, nous pourrons régner sur l'ensemble du temps et de l'espace. Enjin, Enbryo, vous aviez des petits projets dont vous vouliez me parler. Maître, ma merveille mécanique vous hypnotisera une armée. Et ma potion me rendra... les rendra impossible à arrêter. Oui, c'est ça. Amuse-toi avec tes fusils laser et autres pilules. Active-toi. D'après mes calculs, nos ennemis avancent déjà contre nous. Et nous les vaincrons. Il y a des terres cette fois, le mec. D'accord, donc maintenant ça se présente comme ça. C'est plus des hubs comme avant. On joue le niveau. Ok. Ok, donc là on voit les niveaux qu'on a fait. Bah écoutez, on a 21 minutes, allez, on va en refaire un, on va prendre Coco, on en refait un dans ce monde-là pour voir un autre environnement et puis on s'arrêtera là-dessus. Temps de chargement, ça y est. C'est en train de me dire j'aime pas trop parce que même le truc de chargement a disparu. Il faut les autres masques pour fermer la faille. Oui, et mon frangin à canot est dans le coin quelque part. Bienvenue au spectacle, Vermine. Vous cherchez votre précieux masque? Ah, et voilà le fada dont je parlais. Ne t'inquiète pas, on a un truc. On se bat, il perd. C'est une dynamique bien établie. Pas cette fois. J'ai votre passe pour les coulisses, où vous allez rencontrer en personne mon arme de percussion massive. Préparez-vous, ça va chauffer. Ouais. D'accord, ok. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi d'avoir ajouté ce petit truc au gameplay, c'est que il va y avoir à mon avis des phases. Voilà, regardez. Un peu plus. Bon. Il faut pas sauter comme un mongolio comme moi. Mais j'ai failli me refoutre dans le vide encore. On va essayer de prendre notre temps, de ramasser les caisses. Je suis à peine glissé que je suis mort. Bon, on va pas. On
On va pas perdre trop de temps non plus. Bon. Je pense que ça fait 25 minutes, on va s'arrêter sur cette catastrophe. Au moins, bon, vous avez pu voir ça. On va pas aller plus loin parce que là, je suis vraiment trop mauvais. Ça fait déjà 25 minutes. Donc écoutez, on va s'arrêter ici. Donc c'est Crash. Bon, du coup de 4, It's About Time. Je vais vous montrer, bon, avec la transparence, on va pas voir beaucoup. Et Micromania, il donnait un petit truc. C'est ça. Je sais pas si vous allez bien le voir. En gros, vous pouvez monter là-dedans, c'est des trucs en carton, je pense. Vous pouvez monter les persos qui sont là, en choisir un et le monter. Et après, il y a une histoire de réalité augmentée avec une application à télécharger sur Apple Store ou Google Play. Et vous le scannez et il y a une application à télécharger et à mon avis, il y a des trucs en réalité augmentée. Donc, bah, j'ai pas encore essayé. Je vais peut-être essayer ça ce week-end, peut-être avec mon gamin. Bon, il est un peu petit pour construire ce genre de truc, mais le résultat avec le téléphone et tout, ça va peut-être le faire marrer. Par contre, un petit carton rouge. Alors, c'est pas de la faute des vendeurs de mon Micromania, c'est pas de la faute de mon magasin, mais quand je suis arrivé, il avait 15 réservations sur Xbox. Il a reçu que 4 jeux. Et même lui, il était un petit peu dégoûté. Il faut quand même dire à Micromania déjà que vous vendez les jeux plus chers parce que bah, c'est des magasins qui ne vendent que ça et tout, donc ils les vendent plus cher. Mais si en plus ils font des pubs pour dire aux gens venez précommander, il y a des bonus, il y a des machins, et qu'au final le jeu que t'as précommandé tu l'as même pas quand tu viens après ta journée de boulot parce que bah, ils en ont même pas reçu assez pour honorer les précommandes, c'est un petit peu ramasser un truc, c'est un petit peu con quand même. Bref, on va s'arrêter là-dessus. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.